you had a bad day. You take him one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie. You work on a smile and you go for a ride. You had a bad day. The camera don't lie. You call me back down and you really don't mind. You had a bad... Regardez-moi ce temps. Ah là là, ça me donne vraiment pas envie de sortir. Pourtant, il fait beau, hein. Mais il pleut en même temps. C'est cool. Salut à tous et à toutes, c'est Blade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur Boruto. J'ai pas mal de retard, donc dans cette vidéo, on va parler des... C'est une sorte de récapitulatif des épisodes 20... Non, 19, 19 à 26. Donc brièvement des épisodes 19 à 24, 23 plutôt, de ce que j'ai pensé de l'adaptation de Naruto Gaiden en animé. Et faut dire que j'ai pas mal apprécié. Franchement, j'ai vraiment pas mal apprécié. L'adaptation était cool, surtout que l'arc, j'avais pas mal apprécié, même si c'était encore centré sur les Uchiwa, mais ça c'est pas grave. Après Sakura qui a été mise en avant pendant ces épisodes, c'était cool, hein, franchement, parce que Sakura elle a pas eu trop de moments de gloire dans Naruto. Dans Naruto elle a eu juste le combat, son combat face à Ino, dans Shippuden son combat face à Sasori. Après, je ne sais pas, après, voilà. Mais j'ai trouvé que Sakura était pas mal dans cet arc, elle était pas mal. La servie, voilà, elle était plutôt forte. Bon, après, ce qui m'a un peu saoulé, c'est Chocho, le personnage de Chocho m'a cassé littéralement les couilles à dire « Oh, c'est mon père! Qui est mon père? Oh là là !» Non, mais franchement, elle m'a vraiment, 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 vraiment cassé les couilles. Et après, il y a aussi Sarada qui... Ah, oh, c'est ma mère. Non, c'est pas ma mère. Ah, oh là là, je vais devenir comme mon père. Je vais te péter un plomb au Sharingan. Voilà. Parce que Sarada, elle a des doutes dans cet arc. Elle a des doutes sur la véritable identité concernant sa mère. Si sa mère est bien Sakura ou si, en fait, sa mère n'est autre que Karine qui, je le rappelle, faisait partie du groupe, groupe Taka. Dirigé par Sasuke dans l'arc pendant Shippuden, hein, rappelez-vous, avec Jugo et Sugetsu. Donc l'arc se conclut, se finit bien, le méchant se fait littéralement balayer, on revoit quelques personnages, on revoit Kabuto, hein, c'est cool. Bon, par contre il a toujours l'apparence un petit peu d'un serpent, mais voilà, il a toujours, on rappelle qu'il a toujours un peu les gènes d'Orochimaru en lui encore. Il y a aussi Yamato, on a revu Yamato, ça c'est cool. Yamato, parce qu'on savait pas trop ce qu'il était devenu après la 4ème grande guerre ninja. Ensuite, l'arc se conclut, t'as les Shin qui rentrent chez eux à l'orphelinat de Kabuto. Voilà. T'as Shin, le méchant principal qui voulait recréer l'Akatsuki. Bidon, je veux dire, l'Akatsuki. Taka ressusciter Kaguya, Zetsu, et puis voilà. Non, bidon son objectif, hein, comme si, voilà, n'est plus, quoi. Surtout que face à Naruto, j'ai trouvé que c'était pas vraiment un méchant hyper fort. Hein, face à Naruto, Sasuke, il s'est fait vite péter, il s'est fait trahir par ses congénères. C'était n'importe quoi, ce méchant était mal foutu. J'ai trouvé, même si l'arc, comme j'ai dit, était plutôt cool. Puis à partir de l'épisode 24, on a plutôt un épisode plutôt sympathique. Parce que dans les tout le long de l'épisode, c'est né sur l'adaptation du chapitre 700 de Naruto, mais différemment. On n'a pas... voilà, on a une petite confrontation, Sarada contre Boruto, Sarada qui, maintenant, après l'arc Gaiden, veut devenir Hokage. Boruto n'aime pas ceci, donc du coup petite confrontation, et on a le conseil des 5 Kage Akonoha qui parle d'un ennemi qui pourrait
bien s'avérer être très très fort et bien plus que Kaguya, à ce qui paraît. Bien plus que Kaguya, l'ennemi au-dessus de Kaguya. Bon, de toute façon, c'était sûr. Hein. Kaguya, c'est la mère des shinobi. Allez, on a juste à créer quelqu'un d'encore plus puissant qu'elle. Voilà, après, ce sera quoi, hein? Ce sera quoi? Non, sans déconner. Voilà. Et puis c'est encore un rapport avec les Otsutsuki, ça commence à devenir gonflant là, avec les... Oh, c'est un Otsutsuki encore plus puissant que Kaguya. Non, non. Puis on a aussi, dans l'épisode 24, le conseil des 5 Kage qui parle de la future génération après eux. Où t'as les... T'as, comment elle s'appelle, la petite fille de Onoki qui est passée 4ème Tsushi Kage, qui dit... que voilà, c'est pas terrible la prochaine génération, voilà, il faut qu'on fasse un maximum pour que eux ils aient le moins de trucs à faire possible, alors que Naruto dit qu'on va confier la prochaine génération, on va les préparer, ils sont pas faibles, ils sont forts et ils vont nous surpasser un jour, vous verrez bien. Et du coup j'ai trouvé voilà sympa, j'ai trouvé voilà, le Naruto qu'on a tous connu, le Naruto qui croit en tout en fait. Voilà. Voilà, c'est intéressant. Ensuite, à partir de l'épisode 25 et 26, parce que j'ai vu les 25-26, c'était un très intéressant le prochain arc. Vraiment très intéressant. En fait, on a Konoha qui. Naruto qui a reçu l'autorisation de sortie pour des élèves, donc il a fait prévenir Shino, Iruka et tout, et en fait il s'agit en fait d'une sortie scolaire en dehors de Konoha au village de Kiri. Naruto a obtenu l'autorisation et village de Kiri, c'était quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup dans Naruto Shippuden, hein. On a juste connu dans Naruto le village brouillard de sang où en fait tous les élèves se tuaient entre eux pour qu'il n'y en ait plus qu'un à la fin, comme nous avait expliqué Zabuza dans le tout premier arc de Naruto. Et j'ai trouvé sympa parce que voilà, après il faut désigner qui sera le chef du groupe, Boruto, hein, ça, c'est Boruto. Voilà, ensuite on a une petite. On arrive à Kiri et ça a bien changé Kiri. Hein. Kiri, tout a changé. On rencontre Shojuro, on revoit Shojuro. On voit un nouveau personnage qui va intégrer les 7 épéistes de la brume. Et c'est intéressant. Après, on a, y a des gens à Kiri qui cherchent un peu la merde à Boruto. Mais ce nouveau personnage qu'on rencontre, va régler le problème. Après, voilà, comme j'ai dit, on voit Shojuro. On voit comment se passent maintenant les examens à Kiri. Que voilà, c'est plus on se tue tous. Maintenant, c'est combat au bâton sur l'eau. Dont Boruto trouve ça très intéressant et va même affronter ce nouveau personnage qui, on sent que c'est quelqu'un d'assez mystérieux, qui est un petit peu froid, qui cache quelque chose. Et à la fin de l'épisode 26, parce que ça, je vous parle un peu des épisodes 25 et 26, on a toujours une petite confrontation avec Boruto et... Il y avait Shikadai, il y avait Inojin et il y avait comment il s'appelle là, le grand je sais plus comment il s'appelle là, qui est là que grâce à l'animé. Et il y avait aussi Mitsuki et ce fameux nouveau personnage qui vont faire face à des ninjas de Kiri qui on voit même à la fin de l'épisode 26 qui ont pour but de recréer le village de Kiri, de brouillard, de sang. Pour eux, ça doit rester comme ça, ça n'a pas le droit de changer parce que oui, je vais pas vous parler du village de Kiri qui a énormément changé, qui s'est encore plus... Vous voyez Konoha, comment ça s'est bien développé? Et bien Kiri, c'est encore plus. Kiri, c'est... c'est une plus grosse montée en flèche que Konoha. Donc après, à la fin, on a Denki qui s'est fait kidnapper par ces fameux personnages qui cherchent l'embrouille depuis l'épisode 25 à Konoha, hein, qui cherchent un peu la merde. Et on voit qui est ce fameux nouveau personnage, mais on ne voit pas trop, mais on verra ça dans le prochain épisode, que je vous en parlerai dès que je l'aurai vu. Demain, normalement, peut-être demain.
voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Pour l'instant, ce Bob Dark est très intéressant. On est à Kiri, on change d'atmosphère, c'est cool. On revoit Shoujuro, ça c'est cool. Qui apparemment veut faire de son nouveau personnage-là, qui va intégrer les 7 épéistes, il veut que lui devienne plus tard son successeur, le septième, parce que Shoujuro c'est le 6e Mizukage, le 7e Mizukage, et veut même lui confier Hirame Rikare, là, je crois. Donc vous savez, là, au conseil des Kage, là, quand Shoujuro s'était frotté face à Sasuke, à un moment il a déployé son Hirame Rikare là, et qui était sous forme de bandage comme l'arme de Kizame, et qui absorbait le chakra, je crois, un petit peu du genre, je sais plus. Donc c'est l'arme de Shoujuro qui veut confier, enfin Shoujuro qui veut confier son arme à Hirame, ce nouveau personnage. Donc voilà, donc on n'en sait pas plus pour l'instant. On sait à la fin de l'épisode 26 que Denki s'est fait kidnapper. Donc pour le prochain épisode, Boruto et ses amis vont partir à la recherche de Denki. Parce que voilà, parce que c'est quand même leur pote et tout. Et sinon, si Shino apprend que Denki s'est fait kidnapper, le voyage va s'arrêter immédiatement. Ce dont Boruto n'a absolument pas envie. Boruto, Mitsuki et ses amis n'ont surtout pas envie que cela arrive. Donc du coup, ils vont tout faire pour sauver dans la plus grande discrétion Denki des griffes des ennemis qui cherchent la merde depuis leur arrivée à Kiri. Voilà, donc c'est tout pour cette petite review de récapitulatif des épisodes 19 à 26. Donc je vais aller mater les épisodes 27, donc il y a le nouvel opening. Voilà, et je vous en parlerai dès que je l'aurai vu, peut-être demain, peut-être mardi. Voilà. En tout cas, on se retrouve demain pour la review de Black Clover, du premier épisode, de ce que j'en aurais pensé. Allez, passez une bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à bientôt. Diana.